vous souhaitons la bienvenue à cette présentation de retour aux sources sur les quatre droits à la santé et sécurité des travailleurs présentée par le SCFP et le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario. Je m'appelle Christine Couture, vice-présidente du CSCSO, et je suis accompagnée aujourd'hui par Alexandre Groux, mobilisateur francophone pour le CSCSO. Bienvenue, Alex. Nous avons préparé cette présentation pour vous donner une compréhension de base des droits dont vous disposez sur le lieu de travail à la lumière de la pandémie de COVID-19. Nous espérons que la présentation vous permettra d'exercer ces droits afin d'assurer votre protection et celle de vos collègues et de garantir le respect de la loi sur la santé et sécurité au travail. Sur quoi portera ce webinaire? Tout d'abord, nous parlerons brièvement de l'objectif de la loi et des règlements sur la santé et la sécurité au travail. Ensuite, nous nous pencherons sur le système de responsabilité interne, puis nous passerons en revue ces quatre droits. Qu'est-ce que la santé et la sécurité au travail? Elle a été adoptée en 1979, puis révisée en 1990. La loi est la principale législation relative au maintien et à la promotion des normes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. La loi définit des normes minimales sur le lieu de travail qui doivent être respectées en tout temps. C'est ce qu'on appelle le maintien de la conformité à la loi. La loi définit les obligations des personnes sur le lieu de travail, notamment les employeurs, les superviseurs, les constructeurs, les travailleurs, les propriétaires et autres. Exemple, un employeur a le devoir de dispenser une formation sur les dangers sur le lieu de travail et de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger un travailleur contre ces risques. Un travailleur a le devoir de porter l'équipement de protection individuelle tel qu'exigé par l'employeur et de signaler à son superviseur toute préoccupation, tout danger ou toute menace qu'il peut y avoir concernant son lieu de travail. La loi définit la manière dont les infractions sont poursuivies. La loi décrit la manière dont les règlements en vertu de la loi sont établis. Nous parlerons brièvement des règlements dans les prochaines diapositives. La loi se fonde sur une philosophie appelée le système de responsabilité interne. Qu'est-ce que le système de responsabilité interne? Voici un diagramme qui le décrit. Comme vous pouvez le constater, les travailleurs et l'employeur se situent à un niveau similaire. Le système de responsabilité interne, un système dans lequel chacun a une responsabilité partagée en matière de santé et sécurité en tant qu'élément essentiel de son travail. Même s'il s'agit d'une responsabilité partagée, il n'est pas égal. Les employeurs assument l'essentiel des devoirs et des responsabilités en vertu de la loi. Pour que le système de responsabilité interne soit efficace, les employeurs, les superviseurs, les travailleurs et les autres parties concernées sur les lieux de travail doivent avoir des connaissances pratiques, une formation et des compétences pour éliminer ou contrôler, comme il se doit, les risques sur les lieux de travail. Si l'une des parties sur le lieu de travail ne remplit pas son devoir, le système de responsabilité interne ne fonctionne pas. En cas d'échec du système de responsabilité interne, il y a non-respect de la loi et par conséquent, les travailleurs sont plus susceptibles d'être confrontés à des incidents, des accidents et des maladies professionnelles sur le lieu de travail. Quels sont les règlements pris en vertu de la loi? La loi énonce les grands principes juridiques qui s'appliquent à la plupart des lieux de travail. Un règlement pris en vertu de la loi établit des règles spécifiques à certains lieux de travail, travailleurs et risques. On compte 26 règlements pris en vertu de la loi. Les règlements pris en vertu de la loi peuvent définir des mots, exempter les lieux de travail, désigner des substances, restreindre les agents dangereux, interdire des activités. Des exemples de règlements comprennent celui sur le CIMTUT et celui qui traite de l'amiante en milieu de travail. Quels sont les quatre droits d'un travailleur en vertu de la loi? Premier, le droit de savoir. Le deuxième, le droit de participer.
Le troisième, le droit de refuser un travail dangereux. Et le quatrième, le droit à l'absence de représailles. Le droit de savoir. Tout travailleur a le droit de connaître les dangers sur son lieu de travail et les risques liés à son travail. Les employeurs doivent fournir des informations et des instructions pour protéger le travailleur. Cela signifie une formation adéquate pour effectuer le travail en toute sécurité. L'article 25.2a indique où est inscrit ce droit dans la loi. De plus, l'employeur doit informer le travailleur des dangers afférés au travail et des risques liés à l'utilisation, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination des agents chimiques ou biologiques. Cela se trouve à l'article 25.2d de la loi. Il s'agit d'un droit important car la COVID-19 pose un nouveau risque sur le lieu de travail et, à ce titre, nous devons connaître la responsabilité d'exposition au virus et savoir comment nous protéger contre elle. Le droit de savoir comprend le droit d'obtenir des informations sur les produits dangereux. En vertu du CIMDUT, un travailleur qui manipule des produits dangereux, qu'ils soient chimiques ou biologiques, ou qui peut être exposé, doit recevoir des informations sur le produit. Un travailleur doit aussi connaître le contenu d'une étiquette du fournisseur ou du lieu de travail et celui d'une affiche de données de sécurité. De plus, un travailleur doit recevoir une formation sur les politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail avant d'entreprendre la tâche. Cela comprend les politiques et les procédures relatives à la violence, au harcèlement, aux équipements de protection individuelle, au contrôle des infections et à la prévention des risques biologiques. Quel est le droit de savoir en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail? Un employeur doit fournir des informations à un travailleur sur quelqu'un sur le lieu de travail ayant des antécédents de violence si le salarié est susceptible de croiser cette personne dans le cadre de son travail et si le risque d'exposition peut causer un dommage corporel. Cela peut inclure des informations personnelles sur l'individu ayant des antécédents de violence. Un employeur doit également dispenser une formation au travailleur sur la façon de reconnaître un incident de violence ou de harcèlement au travail, de déposer une plainte et de la manière dont l'employeur enquêtera sur ce genre d'incident. Lorsqu'un travailleur a déposé une plainte de harcèlement en milieu de travail, l'employeur doit lui communiquer par écrit les résultats de l'enquête et lui indiquer si des mesures correctives ont été ou seront prises à la suite de l'enquête. Comment pouvons-nous exercer notre droit de savoir pendant la pandémie de COVID-19? Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est quel est le contenu du plan de lutte contre la pandémie du Conseil scolaire? Les plans relatifs à la sécurité vous ont-ils été communiqués? Connaissez-vous votre plan spécifique de retour au travail en toute sécurité et les dangers liés à la COVID-19? Avez-vous reçu des informations sur les modes de transmission du virus en milieu scolaire et sur la manière de vous protéger? Un plan pourrait inclure la distanciation physique et l'utilisation de barrières. Le plan précise-t-il qui peut travailler à domicile ou quelles sont les limitations de déplacement entre les écoles ou dans l'école même? Le plan mentionne-t-il les cohortes d'élèves et de personnel? Il devrait y avoir une section sur le nettoyage, la désinfection et l'hygiène personnelle. Le plan doit également aborder la question du dépistage avant d'entrer sur le lieu de travail et la façon de s'auto-évaluer pour les symptômes de la COVID-19. Le plan aborde-t-il l'utilisation de l'équipement de protection individuelle et le moment où est-il nécessaire de porter un équipement spécifique? Le plan indique-t-il comment la recherche de contact se fera en cas d'exposition et si des tests sont nécessaires à la suite d'une éventuelle éclosion? Enfin, avez-vous reçu une formation et des instructions concernant le plan spécifique à votre travail? Si vous avez des questions, il est de votre devoir en vertu de la loi d'informer votre superviseur de toute lacune et de tout danger dans le plan susceptible de vous exposer.
Passons au droit de participer. Une évaluation permanente du système de santé et de sécurité sur le lieu de travail est la clé d'un système de responsabilité interne réussi. Les représentants en santé et sécurité RSS et les comités mixtes de santé et de sécurité CMSS jouent un rôle essentiel dans l'évaluation du système. Pourquoi se doter de représentants en santé et sécurité ou de comités mixtes de santé et de sécurité? En vertu de la loi, la principale fonction d'un représentant ou d'un comité de santé et de sécurité consiste à identifier des dangers sur le lieu de travail. Le représentant ou le comité de santé et de sécurité est habilité à obtenir de l'employeur des informations sur les risques et sur les dangers sur le lieu de travail. Après avoir obtenu les informations sur les dangers, le représentant ou le comité de santé et de sécurité peut formuler des recommandations pour optimiser la sécurité au travail. Parlons brièvement de la différence entre un représentant en santé et sécurité et un comité mixte de santé et sécurité. Un représentant en santé et sécurité est requis sur un lieu de travail où 5 à 19 travailleurs sont régulièrement employés. Un comité mixte de santé et sécurité est requis sur les lieux de travail où plus de 20 travailleurs sont régulièrement employés. Le représentant en santé et sécurité et le comité mixte de santé et sécurité ont tous deux des pouvoirs et des fonctions similaires en vertu de la loi. Mais un représentant en santé et sécurité ne rencontre pas l'employeur. Il y a très peu de représentants en santé et sécurité au sein des conseils scolaires. Mais il y a deux types de comités dont on discutera plus tard. Abordons maintenant la représentation et l'exigence de la loi en ce qui concerne le comité mixte de santé et sécurité. Un lieu de travail de 20 à 49 travailleurs doit être doté d'un comité comptant au moins un représentant des travailleurs et un représentant de la direction. Un lieu de travail de plus de 50 travailleurs doit compter au moins 4 membres siégeant au comité. À aucun moment, les membres de la direction siégeant au comité ne peuvent être plus nombreux que les membres travailleurs. Les membres travailleurs siégeant au comité mixte de santé et sécurité sont sélectionnés par le syndicat, ou s'il y a plus d'un syndicat sur le lieu de travail, par les syndicats inclus. Il convient de noter qu'une convention collective ou des termes de référence du comité peuvent élargir ces exigences en autorisant un nombre supérieur de travailleurs à la norme minimale prévue par la loi à siéger au comité. Il existe deux types de comités que l'on peut trouver dans un conseil scolaire. On les surnomme comité monocyte ou comité multicyte. Un comité multisite peut être mis sur pied avec l'approbation du ministère du Travail. Dans ce cas, un seul comité peut être établi pour toutes les écoles et tous les lieux de travail du conseil scolaire au lieu de comité monocyte dans chaque école ou site. Les membres du comité multisite ont les mêmes droits et devoirs que ceux du comité monocyte. Si un membre travailleur du comité multisite n'inspecte pas le lieu de travail chaque mois, un salarié de ce lieu de travail est désigné pour ce faire. Examinons brièvement les fonctions et les pouvoirs d'un comité mixte de santé et de sécurité et d'un représentant en santé et sécurité. Les représentants et les comités inspectent les lieux de travail au moins une fois par mois. Ils enquêtent sur les incidents sur le lieu de travail, notamment le refus de travailler, les blessures graves et les fatalités. Ils passent en revue les avis d'accidents du travail et de lésions professionnelles. Ils peuvent obtenir des informations de l'employeur sur le déroulement d'un test sur le lieu de travail et être présents au début d'un test. Ils peuvent obtenir des informations sur les normes de travail en vigueur sur des lieux de travail similaires. En ce qui concerne la COVID-19, il est essentiel que le comité ou le représentant obtienne le plus d'informations possible sur le plan de réouverture du conseil scolaire. Ils sont autorisés à recevoir des informations sur le plan afin de pouvoir formuler des recommandations
pour remédier aux éventuelles lacunes ou situations qui pourraient accroître le risque d'exposition d'un travailleur à la COVID-19. Si vous ne savez pas qui est le membre du comité de votre école, la loi stipule que son nom doit être affiché sur le lieu de travail, généralement sur le babillard de santé et sécurité. Passons maintenant au droit de refus lorsque la santé ou la sécurité est en danger. En vertu de la loi, tout travailleur a le droit de refuser de travailler s'il estime que sa santé et sa sécurité sont menacées. On se prévaut de ce droit lorsque le système de responsabilité interne a échoué et qu'une situation est susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité du travailleur. Certains salariés, y compris les travailleurs de la santé et les enseignants, doivent remplir un certain nombre de critères avant d'exercer leur droit de refus. À titre d'exemple, les enseignants doivent d'abord assurer la sécurité de tous les élèves. Lorsqu'un travailleur exerce son droit de refus, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un processus individuel et que chaque circonstance sera différente. Voici quelques circonstances qui répondent aux critères de refuser d'effectuer un travail dangereux. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et si, à tout moment, vous estimez que votre santé et votre sécurité sont menacées, vous pouvez engager la procédure de droit de refus. Vous pouvez refuser de travailler si vous êtes demandé d'effectuer une tâche sans formation adéquate et si la tâche est susceptible de menacer votre santé et sécurité. Par exemple, vous n'avez pas suivi de formation sur la COVID-19 et la tâche que vous devez effectuer vous exposera probablement au virus. Il vous est demandé d'effectuer une tâche seule, là où il faudrait normalement deux ou plusieurs travailleurs pour vous acquitter de celle-ci en toute sécurité. Il vous est demandé de travailler avec un élève ayant des antécédents de comportement violent, sans plan relatif à la sécurité adéquat ou une notification des risques de violence au travail. Il vous est demandé d'effectuer une tâche qui exige que vous portiez un équipement de protection individuelle pour la première fois et vous n'avez pas reçu de formation sur l'entretien, l'utilisation et les limites de l'équipement. Il vous est demandé d'effectuer une tâche en utilisant un équipement, une machine, un dispositif ou un appareil défectueux, endommagé ou mal protégé. Il vous est demandé d'effectuer une tâche qui enfreint la loi ou les règlements et la tâche est susceptible de mettre en danger votre santé et votre sécurité. Passons maintenant à la procédure d'exercice de votre droit de refus. Première étape. Faire immédiatement part du danger à un superviseur ou, dans le cas d'une école, au directeur. Le superviseur ou le directeur d'école doit alors enquêter sur les circonstances en présence du travailleur qui refuse de travailler et d'un membre travailleur du comité mixte de santé et sécurité ou du représentant en santé et sécurité. En attendant les résultats de l'enquête du superviseur, aucun travailleur n'est affecté à la tâche faisant l'objet de l'enquête. Le salarié qui refuse de travailler doit rester dans un endroit sûr près de son poste de travail et il doit être disponible pour répondre à toute question concernant son refus de travailler. Une fois l'enquête terminée, le salarié retourne au travail s'il est satisfait du résultat de l'enquête. Toutefois, s'il n'est pas satisfait du résultat de l'enquête et des mesures qui ont pu être prises, il peut continuer de refuser de travailler s'il y a des motifs raisonnables de croire que la tâche représente toujours un danger pour sa santé et sécurité. Il faut alors passer à la deuxième étape du processus. Si un travailleur continue après l'enquête de première étape, un inspecteur du ministère du Travail est appelé à enquêter sur les circonstances du refus de travailler. Cet appel peut être effectué soit par le superviseur, soit par le membre travailleur du comité mixte de santé et sécurité, ou par le travailleur qui refuse de travailler. En attendant les résultats de l'enquête de l'inspecteur, le travailleur qui refuse de travailler peut se voir attribuer une autre tâche raisonnable. Mais il ne peut se voir attribuer un travail considéré comme punitif pour avoir refusé de travailler. Jusqu'à la conclusion de l'enquête de l'inspecteur, aucun autre travailleur n'est affecté à la tâche faisant l'objet de l'enquête, à moins que le travailleur remplaçant n'ait été informé du refus de travailler et des raisons.
Ce dit travailleur est avisé en présence du membre du comité mixte de santé et sécurité. Le travailleur remplaçant peut également se prévaloir du droit de refuser de travailler. À l'issue de l'enquête, l'inspecteur rendra une décision écrite sur la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables de refuser de travailler et si des mesures correctives sont prévues à la reprise du travail. Une fois qu'une décision écrite est rendue et si l'inspecteur constate qu'il n'y a pas de danger, le travailleur doit retourner au travail. Parfois, l'inspecteur ne trouvera pas de motif raisonnable de refus, mais il enquêtera sur la situation sous forme d'une plainte pour déterminer s'il y a infraction à la loi sur la santé et la sécurité. La décision d'un inspecteur peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours en cas de désaccord sur l'existence ou non de motif de refus ou en cas d'infraction à la loi. Néanmoins, le travailleur ne doit faire l'objet d'aucune représailles pour avoir exercé de bonne foi son droit de refuser un travail dangereux. Examinons maintenant notre dernier droit, qui est le droit à l'absence de représailles. Tout d'abord, il est important de savoir ce qu'est une représaille. Voici des exemples de représailles en vertu de la loi. Aucun employeur ou personne agissant au nom d'un employeur ne doit licencier ou menacer de licencier un travailleur, discipliner ou suspendre, menacer de discipliner ou de suspendre un travailleur, imposer une sanction à un travailleur, intimider ou contraindre un travailleur pour avoir exercé un droit ou un devoir en vertu de la loi, avoir exercé une fonction ou un pouvoir à titre de membre du comité mixte de santé et sécurité ou en tant que représentant en santé et sécurité. Avoir recherché l'application de la loi, par exemple en faisant appel à un inspecteur du ministère du Travail, ou avoir fourni des preuves lors de l'audience de la commission des relations de travail ou de l'enquête du coroner. En résumé, vous ne pouvez pas faire l'objet de mesures disciplinaires pour avoir respecté la loi ou pour avoir soulevé des questions de santé et sécurité sur le lieu de travail. La raison en est de veiller à ce que les travailleurs se sentent toujours à l'aise de soulever un problème sans craindre que des mesures négatives soient prises à leur encontre. Si vous pensez avoir fait l'objet de représailles en vertu de la loi, il est important que vous communiquiez immédiatement avec votre section locale ou votre délégué syndical. La section locale peut choisir de loger un grief ou de déposer une plainte auprès de la commission des relations de travail. Le plus souvent, loger un grief résoudra le problème plus rapidement que le recours à une plainte auprès de la commission des relations de travail. C'est la méthode préférée des syndicats pour résoudre une plainte en matière de représailles. Pour en savoir plus sur la loi sur la santé et sécurité au travail ou sur vos droits en vertu de la loi, nous vous invitons à consulter la page web du SCFP national sur la santé et sécurité et celle sur la COVID-19 qui contient des explications sur la façon de se protéger contre l'exposition au virus. Le SCFP Ontario met aussi à disposition une page sur la COVID-19. De nombreuses ressources et fiches d'information sont également disponibles aux adresses que vous voyez à l'écran. Nous vous recommandons de surcroît de consulter la page web du Centre de santé et de sécurité des travailleurs, du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail ou des centres de santé des travailleurs de l'Ontario. Vous pouvez également trouver des renseignements sur vos droits et devoirs en vertu de la loi sur la page Santé et sécurité du ministère du Travail de l'Ontario. Et bien sûr, nous vous invitons à communiquer avec votre section locale ou à parler avec un membre de votre comité mixte de santé et de sécurité. Merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui et surtout, soyez prudents.